Greetings, Dr. Joseph. I'm just here to support today. Okay, Happy Sabbath, everybody. Happy Sabbath. Thank you very much. We are glad Dr. Henry, thank you so much for your participation. Soy sobrino de Atilio Dupertuis. So there's a connection with Inter-America. Good to have you with us. Okay, we're alive. Pour accéder à tous les futures diffusions en direct, allez sur youtube.com. Start by going to youtube.com. Tapez maintenant dans la barre de recherche Franco-Haïtien Ministry. Tapez Franco-Haïtien Ministry. Notre live en direct actuel devrait apparaître premièrement dès que vous avez terminé la recherche. Toutes nos vidéos passées sont sur notre chaîne YouTube. D'accord, c'est tout pour YouTube. Maintenant, pour Facebook, allez sur www.facebook.com/franco-etienne-ministry. Merci pour votre participation. Salut. Pour accéder à tous les futurs diffusions. Start by going to youtube.com. Tapez maintenant dans la barre de recherche Franco-Haïtien Ministry. Tapez Franco-Haïtien Ministry. Apparaître premièrement dès que vous avez terminé la recherche. Toutes nos vidéos passées sont sur notre chaîne YouTube. D'accord, c'est tout pour YouTube. Maintenant, pour Facebook, allez sur www.facebook.com/franco-etienne-ministry. Est-ce une grande puissance terrestre? Est-ce une marque de la bête ou plus électronique? Est-ce un vaccin? Est-ce une marque dans la main? Pour avoir une réponse satisfaisante à toutes ces questions, le caucus franco-haïtien de la division nord-américaine et de l'Afrique vous invite à découvrir la révélation biblique sur la marque de la bête. Un sujet palpitant d'intérêt qui sera présenté le vendredi 9 avril de 7h à 8h30 p.m. et le samedi 10 avril de 4h à 7h p.m. par deux invités spéciaux, Dr. Eliri et Dr. Fayan Youth. Mon peuple meurt faute de connaissances. Alors, rejoignez-nous sur Zoom, YouTube, Facebook et autres médias adventistes haïtiens pour enrichir votre connaissance sur la mort de la bête. Le vendredi 9 avril de 7h à 8h30 p.m. et le samedi 10 avril de 4h à 7h p.m. C'est ici la persévérance des saints qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Est-ce une marque dans la main? Est-ce de l'argent? Est-ce une marque sur le cou ou sur le front? Yes.
puisque c'est un gros mouvement terrestre. Est-ce que c'est un type ordinateur? Est-ce que c'est un vaccin? Est-ce que c'est la planète? Caucus Adventiste franco-haïtien qui dans l'Amérique du Nord, ensemble avec l'Afrique, a présenté vérité biblique concernant Marc Betla. Un coup de Chita Palé qui va présenter vendredi 9 avril de 7h à 8h30 p.m. et samedi 10 avril de 4h à 7h p.m. avec participation spéciale de Dr. Eli Henry ensemble avec Dr. Vaillant Youth. Pour tout ça qui pas informé, Pita Pitris, à nous rassembler sur YouTube, Facebook, Zoom et l'autre média adventiste haïtien pour nous chercher comprendre de qui prévient causer Marc Betla. Vendredi 9 avril de 7h à 8h30 p.m. et samedi 10 avril de 4h dans l'après-midi pour arriver 7h dans la soirée. Non, pas pour ciel là, pas gagner si nous te connaît. Est-ce que c'est nos pieds? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est nos fontaines têtes? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis de partout, au nom du caucus haïtien de la division nord-américaine, j'ai le privilège aujourd'hui de vous accueillir à cette rencontre virtuelle dans laquelle nous allons traiter d'un sujet très important, la marque de la bête, un sujet victime de toutes sortes d'interprétations farfelues. Nous bénissons donc le nom de Dieu pour la révélation de sa parole. Et donc ce soir, nous allons laisser à la Bible de s'interpréter elle-même. Nous vous invitons donc à accorder toute votre attention à cette étude dans ce soir et plusieurs de vos questions recevront une réponse satisfaisante. Nous aimerions commencer en invitant le Saint-Esprit de Dieu à être présent parmi nous par la prière. Et ainsi, nous vous invitons à prier avec nous avec pasteur Charles Pierre de la conférence du Texas maintenant. Je vous invite, chers et frères bien-aimés, de prendre une position convenable pour la prière. Prions le Seigneur. Tu es béni, Dieu de l'univers, car tu nous rassembles ce soir afin d'étudier ta parole. Nous te demandons, Seigneur, de prendre le contrôle de chacun de nous, spécialement de nos intervenants. Nous comptons sur toi, s'il te plaît, parle à nos cœurs. Instruis-nous selon ta parole, mon Père. C'est en Jésus, notre Sauveur, le vivant et régnant, dès aujourd'hui et au siècle des siècles. Amen. Maintenant, nous voulons vous présenter à Dr. Jose-Lange Joseph, le président du caucus haïtien de la division nord-américaine. C'est lui qui va conduire l'introduction aux autres présentateurs. Vous êtes muet? À la fin de cette série de trois conférences programmées par le caucus franco-haïtien de la division nord-américaine, dans le but d'apporter des informations précises tant sur le vaccin le 11 et 12 février dernier, sur la fuite des grandes villes le 12 et 13 mars dernier, et aujourd'hui et demain sur la marque de la bête. Nous vous savons infiniment gré de répondre toujours en grand nombre à notre invitation. Quand je dis nous, il s'agit de tous les coordonnateurs responsables du champ franco-haïtien
dans tout le territoire de la division nord-américaine, couvrant les États-Unis et le Canada, qui peuvent être identifiés par leurs photos sur le dépliant et qui sont aussi sur la plateforme avec nous. Nous sommes assurés que notre Dieu vous réserve de grandes bénédictions durant ces deux jours que nous allons passer ensemble. The North American Division Franco-Haitian Caucus is very well supported by the administrators of all levels of our church organization. Since we have started that series, we have been honored by the presence of the division, union, conference administrators. Tonight, we are glad to announce to you that the one of the administrators of the Greater New York Conference who firmly stand for the development of the Franco-Haitian community in that conference is with us in person on the platform. This is Dr. Smith. This is a pleasure for me to introduce to you the Executive Secretary of the Greater New York Conference, Dr. Arenza Smith, in a special welcome speech. Thank you, Dr. Joseph, and a special happy Sabbath greetings to all of my friends and colleagues. Indeed, God has been blessing the Franco-Haitian community. I bring you greetings from our conference, the Greater New York Conference, with our president, Pastor Henry Barris, and our treasurer, Isaias Javier. Our president has asked me to specially let you know he wanted to be with you, but he is traveling at the moment, so he's not able to join, but he sends his greetings and his love. The Greater New York Conference has five sectors. We have the Hispanic sector, the English sector, the multi-ethnic, Franco-Haitian, and Korean. I am pleased to let you know that the Franco-Haitian sector is strong, is doing very well in our conference. We have a great dynamic leader, Dr. Robert Jean Charles, who has taken the Franco-Haitian ministry to another level. There was a time not too long ago, late last year, when the community was hit with some dissident movements, an individual giving spurious doctrine. A crisis was in the community, and he rose to the occasion. He settled the membership and stabilized the brethren. I want to let you know, we as a conference, we thank him for doing such a great job. He has a great team of pastors that are hardworking and second to none, along with the lay leaders. So I am happy to be a part of your program this evening to welcome each and every one of you on behalf of our conference and to single out especially the Franco-Haitian community in the Greater New York Conference. May the Lord bless you. May the Lord continue to shine his face upon you. May you enjoy the beauty of the Sabbath. And remember, we are all one God's family. God bless you and welcome. Have a great program. Thank you very much, Dr. Smith. Thank you very much for this warm welcome and for your continued support to the Franco-Haitian community in the Greater New York Conference. Thank you. You're welcome. Chers amis, les conférences de cette fin de semaine, la révélation biblique sur la marque de la bête seront présentées par deux invités spéciaux. Dr. Eli Henry, président de la division inter-américaine, et Dr. Vaillant Youth, qui est de la Fédération du Québec. Je voudrais, sans perdre de temps, vous les présenter juste avant qu'ils nous présentent le sujet comme c'était annoncé.
Je vous présenterai d'abord Dr. Vaillant-Youth. Dr. Vaillant-Youth occupe depuis 12 ans la position de directeur des départements de l'École du Sabbat et des ministères personnels de l'Église adventiste du septième jour dans la Fédération du Québec et de pasteur d'une des dernières églises qu'il a implantées à la suite d'une campagne de moisson en 2011. Il a implanté 4 nouvelles églises à Montréal. Il a introduit en 2009 dans la Fédération du Québec les stratégies des petits groupes de disciples et d'implantation d'églises afin d'atteindre par la proclamation de l'Évangile certaines villes et les milieux favorisés dans la province du Québec. Conférencier dans diverses régions du Québec, notamment la ville de Québec, par la grâce de Dieu, il a baptisé beaucoup de Québécois de souche, de Juifs et de Roumains. Ses conférences sont orientées sur l'exégèse du livre de l'Apocalypse et de Daniel, sur le sanctuaire, les unités d'action de l'école du sabbat, les petits groupes et sur l'art de faire des disciples. Auteur de plusieurs livres, dont L'échec de Babel et Le triomphe de Dieu en 1986, La théologie des psaumes, Manuel pratique de l'école du sabbat et L'origine de l'Église adventiste du septième jour. Il a aussi d'autres écrits qui ne sont pas encore publiés. En plus de ses études de théologie à l'Institut Kadek Berne, Suisse, de l'étude de l'hébreu biblique et du grec du Nouveau Testament à l'Université de Montréal, Canada, il détient 2 baccalauréats en enseignement du français langue maternelle et langue seconde, une maîtrise en Bible et Ancien Testament en Nouveau Testament de Andrews University, centré sur l'eschatologie et le livre de l'Apocalypse, et ses études de doctorat en DTHP, théologie pratique de l'université, à l'Université Laval, Québec. Pasteur Youth est un exégèse des textes de la Bible, un évangéliste dans l'âme, mais il est avant tout un pasteur selon le passage de Jérémie qui lui est cher, Jérémie 17, verset 16, « Et moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. » Considérant que nous avions travaillé ensemble dans le campus et dans le champ du Québec, nous sommes heureux qu'il n'ait pas refusé notre invitation aussi. De même qu'il n'a pas refusé d'être pasteur, il a accepté l'invitation à faire partie de notre panel durant cette fin de semaine. Le deuxième conférencier que je vous présenterai et qui est avec nous aussi, c'est le docteur Élie Henry. Docteur Élie Henry, fils d'un éducateur et pasteur bien connu en Haïti, maître et pasteur Élie Henry, a fait ses études secondaires en Haïti. Après, il s'est rendu en Argentine où il a terminé sa licence en théologie à l'Université Adventista del Plata, alors connue sous le nom de Collège Adventiste del Plata. Il a ensuite rejoint la faculté protestante de l'Université de Strasbourg de France, où grâce à une bourse du gouvernement français, il a obtenu un diplôme d'études avancées et un doctorat en théologie. Sa thèse, soutenue avec succès, était centrée sur le message prophétique et eschatologique de l'Ancien Testament, spécialement tel qu'il est relaté dans le livre de Joël. Il a reçu une bourse aussi du Musée du Louvre de Paris pour fréquenter la prestigieuse école biblique et archéologique française
de Jérusalem, où il a obtenu un diplôme et en études bibliques et archéologiques avec une spécialisation en langue biblique. Après avoir terminé ses études en décembre 1985, le docteur Henry est rentré chez lui en Haïti pour servir son Église et son peuple. Il a occupé les positions suivantes: pasteur d'Église, professeur et doyen de la faculté de théologie de l'Institut Adventiste Franco-Haïtien, qui est maintenant Université Adventiste d'Haïti, coordonnateur du programme de maîtrise en religion du séminaire de l'Université d'Andrews, offert sur le campus de l'Université Adventiste d'Haïti. Mais plus tard, il est devenu le secrétaire exécutif, puis le président de l'Union des Adventistes du Septième Jour d'Haïti. Lors de la session de 2000 de la Conférence générale à Toronto, Canada, il a été nommé vice-président au siège de la division interaméricaine à Miami, en Floride. À ce titre, le docteur Henry a assumé beaucoup de responsabilités, d'autres responsabilités, je dirais, comme président des conseils de l'enseignement supérieur et de l'enseignement ministériel et théologique de la division interaméricaine, président du conseil d'administration de l'Université de Montemorelos au Mexique et du séminaire théologique adventiste interaméricain. En juillet 2010, il a été appelé à servir en tant que secrétaire exécutif de la division interaméricaine, dont il est devenu le président en avril 2018. Docteur Eli Henry est reconnu comme l'ami de tout le monde, un homme qui aime son Dieu et qui se dévoue sans compter pour la préparation du peuple de Dieu à recevoir notre Sauveur Jésus-Christ. Ce sont donc, mesdames et messieurs, ces deux conférenciers qui, cette fois-ci, nous présenteront le message sur la révélation de biblique sur la marque de la bête de façon, je dirais, dialoguée. Au lieu d'entendre un seul, vous aurez le privilège d'écouter les deux chaque soir. Mais juste avant de leur céder la parole, nous prenons quelques minutes pour signaler la présence sur la plateforme de nos distingués conférenciers qui nous ont tenus en haleine les mois précédents. Je veux parler du docteur Claude Parola et du docteur Élie Honoré qui sont là sur la plateforme, puis du docteur Bord Henri Saturné et docteur Aniel Sanson qui sont également présents sur la plateforme. Je veux aussi mentionner les noms des médecins qui se tiennent toujours à la disposition du caucus, docteur Parola, comme je viens de dire, et docteur Moïse Joseph. Entre autres, nous avons sur la plateforme aussi, comme je dis, les responsables de l'organisation supérieure. Ils ne se présenteront pas aujourd'hui, mais le vice-président de la division nord-américaine, pasteur Anobile, Tony Anobile, est également avec nous sur la plateforme. Sur ces mots, nous voulons passer le micro à nos deux conférenciers, et Dr. Eli Henry et Dr. Vaillant Youth. Je voudrais tout d'abord remercier de tout cœur le Dr. Joseph pour cette présentation. Et pour et introduction, et je prends grand plaisir à vous saluer et en ce jour et je veux exprimer et toute la
les grands sentiments que nous avons au niveau de la division interaméricaine que je représente en ce jour pour et les membres de la communauté haïtienne de la division nord-américaine et qui nous écoutent et aussi les nôtres de la division interaméricaine qui participent à ce programme. Et je suis très heureux de ce grand mouvement, ce partage d'idées initié par le caucus haïtien de la division nord-américaine. Et je pense que tous les efforts ne sont pas vains, collègues. Et Dieu certainement permettra que nos membres d'Église puissent se fortifier dans la foi et vivre avec une espérance encore plus grande les derniers soubresauts de ce monde dans lequel nous sommes. Je dis merci à chacun de vous et membres de cette commission qui a fait appel à nous et qui nous honore par cette invitation. C'est pour moi un grand privilège de partager ce sujet avec toute la communauté francophone de la division nord-américaine et bien au-delà. Et j'ai pris grand plaisir à travailler le sujet avec mon collègue Dr. Vaillant Youth. Et c'est une grande joie de pouvoir être avec vous ce soir. Et je ferai en guise d'introduction à notre présentation et qui se veut en tandem. Et je dirais tout d'abord que le point de départ de cette haute voltige sur la marque de la bête est un texte biblique bien connu, Apocalypse chapitre 13, versets 15 à 18. Il y a question de l'image de la bête, une marque sur la main droite ou sur le front. Et il est dit que nul ne peut acheter ou vendre s'il ne porte la marque, le nom, le chiffre et 666. Et de là, une grande floraison d'idées à travers les âges pour prouver que l'on a du discernement, puisque le texte de Apocalypse 13, verset 18, déclare que celui qui a de l'intelligence, du discernement, calcule le nombre de son nom. Et donc, les interprétations ont fusé de partout et ont longtemps laissé la sphère de la révélation biblique, l'interprétation des prophéties pour se lancer dans des spéculations et les idées les plus farfelues que l'on retrouve dans les titres des littératures d'horreur et des films sensationnalistes dans la culture pop et les livres de fiction les plus vendus. On le retrouve aussi dans les arts et dans les discours politiques. On en parle encore. Cela a créé non seulement une cacophonie, mais a engendré une terreur, même dans le milieu chrétien où l'on cherche à tout prix à éviter de recevoir la marque de la bête ou à être identifié avec son chiffre 666. Au niveau de l'Église adventiste, bien avant sa conception, la marque de la bête est un sujet d'étude, de présentation dans les conférences bibliques, et dans les croisades, les discussions à l'Église comme ailleurs. Et il est difficile de parler des prophéties de la fin sans évoquer la marque de la bête, les chiffres qui l'entourent, à savoir les 42 semaines dont il est question dans Apocalypse 13 et le nombre 666. Car nous y voyons une grande relation avec les signes du retour de Jésus. Nous le voyons venir très bientôt, Jésus. Et les scènes qui composent les visions de l'Apocalypse 12 à 14 sont importantes pour la mission et le message adventiste. Elles sont de grand intérêt pour différents groupes religieux, aussi contemporains. L'interprétation du passage, selon un auteur, sera grandement déterminée par les décisions
quant à la nature et à la structure du livre avant même son étude. Et il est bon de rappeler que quand on s'approche des prophéties, et il y a différentes manières de l'interpréter, différentes écoles, et nous autres, nous voulons rester dans cette optique d'une présentation qui continue, qui se développe et qui aboutit avec la venue de Jésus. Et dans l'Apocalypse, on va retrouver des allusions à l'Ancien Testament et pour avoir la clé d'interprétation, il faut retourner au texte lui-même et revoir ce que le texte dit lui-même et sur le sujet. Apocalypse 12 à 14, la section que nous avons mentionnée, est un parallèle, on pourrait dire, très proche du texte de Daniel, chapitre 7, et les chapitres 7 et 8. Et c'est pourquoi on fera allusion encore et il faudra pouvoir le comprendre. Notre objectif ce soir, en tant que conférencier invité, est de nous ramener à la vérité du texte biblique. Nous voulons revenir au texte biblique, premièrement, et privilégier une saine interprétation de la révélation. Nous verrons ensemble que la marque de la bête est un motif qui n'est pas confiné au chapitre 13 de l'Apocalypse. On le retrouve ailleurs, dans les chapitres 14, 15, 16, 19, 20. Vous voyez la fréquence. Elle demeure un élément à éviter. Et la révélation insiste sur la présentation d'un antidote contre la bête et la marque de la bête qu'il faut chercher à tout prix, savoir et recevoir le sceau de Dieu. Notre démarche pendant ces deux jours consistera donc premièrement à revenir à la révélation biblique. Comment lire le texte? Comment comprendre les symboles de l'Apocalypse, en particulier la bête, son image et sa marque. Et la mise en garde et la mise en contexte du texte de l'Apocalypse 13 est vraiment importante pour bien comprendre de quoi nous parlons par la suite. C'est le premier exposé que nous aurons avec mon collègue, et docteur et pasteur Vaillant Jure. Dans un deuxième temps, nous examinerons la marque de la bête et son nombre à partir du contexte défini préalablement. Et cela nous permettra de répondre à l'interrogation persistante qui tracasse plus d'un, en particulier en ces jours où la question de la marque de la bête est relancée, non seulement dans les églises, mais aussi dans les médias. Quand cette marque sera-t-elle apposée sur le front ou sur la main? Comment recevoir une antidote à cette marque? Notre intention n'est pas de verser dans le sensationnalisme, ni à certains égards, nous lancer dans une série de conférences à caractère d'évangélisation. Nous avons voulu éviter cela, et nous avons voulu plutôt nous mettre comme des étudiants de la Bible. Et notre intention est pastorale et vise à fortifier la foi du peuple de Dieu qui se prépare à le rencontrer. Et notre démarche se veut fidèle à l'étude de l'Évangile éternel et à cette conviction, à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y a point d'aurore pour le peuple. Alors, pasteur Vaillant, cher docteur, dites-nous comment comprendre ou identifier la bête dont il est question dans Apocalypse 13. En fait, Apocalypse 13 parle de deux bêtes. Laquelle doit nous intéresser le plus quand on veut se référer à la marque de la bête? De quelle bête s'agit-il? Beaucoup de questions à la fois. Alors, oui, bonsoir, docteur Eli. Et tout d'abord, je voudrais remercier quand même Dr Jose de nous avoir invités à participer à cette série de conférences.
C'est un grand privilège. Et je voudrais dire merci aussi donc, aux membres du caucus haïtien, ces membres qui ont pensé à nous et à Dr. Eli et à moi, justement, pour présenter cette série de conférences. Et je voudrais quand même saluer Dr. Agnès Sanson. Et donc, merci. Donc, cette conférence m'a permis de voir votre visage, ça fait longtemps. Et ensuite, j'ai pas mal d'amis. On n'aura pas de temps vraiment de souligner les noms de tous, Pasteur Neftali. Et ensuite, c'est une conférence qui me fait du bien parce que j'ai rencontré vraiment les gens qui viennent de l'Artibonite comme moi. On a mangé vraiment des feuilles ensemble. Alors, Docteur Eli, Docteur Sanson, tout ça. Il faut dire vraiment, Docteur Jose était mon guide dans les années 80, eh bien, quand il était à Montréal. Et j'ai un grand respect eh bien, pour lui. Et justement, pour répondre à ces questions, et je dois dire merci beaucoup donc, à Docteur Eli et pour cette introduction. Donc, qui veut dire pour montrer le travail qu'on va faire, ce n'est pas une lecture littérale, mais plutôt vraiment de questionner les textes pour pouvoir nous guider et dans notre réflexion et de prendre position pour la parole de Dieu. Donc, justement, ce que j'ai fait parce que la matière est dense, qui veut dire qu'on a passé beaucoup de jours eh bien, à préparer vraiment cette matière. On n'aura pas de temps parce que le temps est limité pour vous livrer tout. Parce que normalement, je crois que j'ai déjà écrit vraiment plus de 40 pages seulement sur le chapitre 13. Et voilà, vraiment, en peu de temps, 40 minutes, on ne peut pas tout donner. Mais cependant, on va vous donner l'essentiel. On a préparé de préférence, eh bien, donc... des PowerPoint et comme support pédagogique et pour pouvoir vous aider à apprendre ou bien à prendre des notes quelconques justement pour aller d'une façon beaucoup plus rapide. Alors, je vais demander aux techniciens de partager eh bien, donc, mon PowerPoint, mon écran. Si vous me donnez la permission, je n'ai pas, OK. OK. Bon, pour un tel sujet qu'on a présenté, qu'on nous a soumis, la révélation biblique de la marque de la bête. Comme Dr. Eli a déjà souligné que ce sujet est divisé en deux parties. Tout simplement, la première partie, nous devons faire la mise en contexte de l'Apocalypse 13. Et très souvent, on est sauté sur la marque de la bête ou bien le nombre 666. Et à ce moment-là, on a fait du tort à l'ensemble du chapitre. Et c'est pour cela vraiment qu'on va faire une sorte de mise en contexte et pour pouvoir nous aider. La mise en contexte de ce chapitre permet premièrement d'établir les liens de parenté entre la bête marine et le dragon rouge de l'Apocalypse 12, et bien de l'ensemble, par exemple, de l'Apocalypse. Deuxièmement, de repérer les jalons historiques afin d'identifier la bête. Et troisièmement, de découvrir le thème principal du chapitre 13. Ce qui nous échappe très souvent, on n'est pas allé vraiment chercher eh bien, le thème principal de ce chapitre. Et en dernier lieu, d'identifier la deuxième bête, la bête qui monte de la terre. Eh bien,
nous prenons comme principe en tant qu'étudiants de la Bible et nous voulons suivre la parole de Paul qui se trouve donc dans Romains chapitre 15, verset 4, que tous les chrétiens, les étudiants de la Bible connaissent ce texte, qui dit « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience, etc. » Nous voulons prendre vraiment ce texte comme notre guide dans cette étude, dans cette mise en contexte, et ensuite pour mieux comprendre. Alors, d'après ce que dit Paul dans ce passage, c'est tout ce qui est écrit dans la Bible qui est pour nous, ou bien qui est pour notre instruction. Qui veut dire que nous ne devons pas apporter des idées externes, des événements externes au texte en tant que tel, parce que nous devons lire le texte. Nous devons lire le texte pour l'écouter. Qui veut dire que nous sommes à l'écoute vraiment du texte qui va nous guider, qui va nous révéler des choses. Qui veut dire que cette lecture dont il s'agit ne se situe pas au niveau de la phonétique, qui veut dire au niveau du son, ce qu'on a appris vraiment dans la lecture en primaire, tout ça, etc. Alors, cette lecture, lire vraiment le texte, eh bien, c'est aller chercher son sens. Eh bien, c'est ça qu'on va faire vraiment ce soir. Alors, nous avons trouvé tout d'abord les liens de parenté et du dragon avec la bête qui monte de la mer. Eh bien, cette bête, et c'est une bête qui sort de la mer. Tout le monde connaît très bien, parce que Jean a donné vraiment des repères pour pouvoir identifier eh bien, cette bête. Alors, la mer, il faut bien comprendre, eh bien, dans la mentalité eh bien, juive ou bien hébraïque du Proche-Orient, eh bien, Jean a utilisé comme symbole de monde non régénéré en révolte contre Dieu, le dragon contrôle ce monde. D'ailleurs, Jean lui-même, dans la première épître, chapitre 5, verset 19, quand tu dis vraiment nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la domination eh bien, de Satan. Ce qui veut dire vraiment, Jean nous a donné dans les textes, quand tu dis la bête qui sort de la mer, c'est vraiment un monde en révolte contre Dieu. Et cette bête-là ne peut pas apporter vraiment de grandes choses à l'humanité en tant que telle. Le grand dragon rouge a sept têtes. Nous avons trouvé 10 cornes et 7 diadèmes. Nous avons trouvé la même chose aussi, eh bien, donc, pour la bête eh bien, qui monte de la mer. 7 têtes, 10 cornes et ensuite 10 diadèmes sur la corne. La bête qui monte de la mer aussi porte sur ses têtes des noms de blasphème. Et nous avons trouvé ça eh bien, donc, chez les dragons. La seule différence dans notre lecture du texte qu'on a trouvé qui existe entre les dragons rouges et la bête marine, c'est que celle-ci porte ses diadèmes sur ses cornes. Eh bien, c'est ça vraiment, c'est la seule différence, tandis que vraiment l'autre, la bête qui monte de la mer, eh bien, porte vraiment ses diadèmes sur ses cornes. Alors, le dragon porte les 7 diadèmes sur ses 7 têtes. C'est ça qu'on a trouvé. Et ensuite, le mot diadème, vous savez très bien, dans l'Apocalypse, désigne un pouvoir royal. C'est juste au retour de Jésus-Christ. Eh bien, donc, avant, par exemple, chapitre 1, chapitre 2, etc., c'est toujours vraiment le mot Stéphanos qu'on traduit par couronne, qui signifie victoire. C'est seulement à partir vraiment de l'Apocalypse, chapitre 19, qu'on a trouvé vraiment eh bien, Jésus-Christ qui revient. Eh bien, il y a vraiment des diadèmes eh bien, pour éliminer tous les pouvoirs terrestres, etc. Alors ici, vraiment, cette couronne, c'est très important. Alors ici, les 7 diadèmes sur cette tête représentent les 7 grands royaumes. Ça, c'est vraiment c'est ça que Jean veut nous amener à découvrir à travers son texte. Et quand on lit vraiment ce texte-là, les 7 grands royaumes de la terre que le dragon a utilisé pour détruire le peuple de Dieu. Parce que Satan, le dragon, a des alliés. C'est ce que l'Apocalypse nous a présenté, plusieurs alliés, eh bien, du côté du dragon. Alors, Apocalypse chapitre 17, verset 9, 10, vous connaissez très bien qu'on parle vraiment des 7 têtes, qui sont les 7 montagnes.
il y a vraiment beaucoup de théories qui disent vraiment que Rome est bâtie vraiment sur cette colline. Ça représente cette colline. Nous ne voulons pas entrer dans les détails. Mais cependant, le texte nous a donné vraiment des orientations des lectures. Quand le texte dit, ce sont aussi ces trois, ceux qui sont tombés. Un existe. Alors, ce que Jean veut dire, vraiment, un existe, qui veut dire, il vivait à l'époque vraiment de ce royaume, de cette lune des têtes. Alors, il y a cinq qui sont tombés, il y a un qui existe, ça fait six. L'autre n'est pas encore venu, et quand tu seras venu ici, vraiment, donc il doit rester un peu de temps. Alors, donc nous, en grosso modo, il y a l'Égypte, qui veut dire à travers l'histoire, et cette lecture nous amène la puissance du monde qui est au premier Israël, tel que l'Égypte. Il y a la Syrie responsable de la destruction du royaume d'Israël et de la dispersion des dix tribus et bien donc d'Israël au Moyen-Orient, Babylone, etc. Et bien tous ces peuples-là, le dernier que nous avons Médo-Perse et à travers la Grèce aussi qui est au premier le peuple juif à travers Antiochus Épiphane. Nous ne devons pas nier ça, et tenaient de détruire leur religion. Qui veut dire que ces sectes qui sont tombés n'existaient pas durant le temps de Jean. C'est ce que Jean, le texte, veut souligner. Alors, le royaume qui existait à l'époque de Jean, eh bien, à ce moment-là, était Rome. C'était Rome impériale. Alors, qui persécutait les chrétiens à ce moment-là? Les dix cornes, Jean a indiqué vraiment cette bête, et ensuite, eh bien, donc, ce dragon qui possède ces dix cornes, eh bien, les dix cornes, dans l'Apocalypse, tout comme dans les livres de Daniel, désigne les pouvoirs politiques. Et le chiffre 10 est symbolique. La Bible, vraiment, ne nous permet pas d'utiliser la gématrie, demain nous allons voir ça. Mais cependant, au niveau des chiffres, il y a vraiment le côté symbolique, vraiment des certains nombres, chiffres, etc. Alors, nous trouvons vraiment ces 10 cornes, eh bien, au chapitre 17, qui vont faire une coalition avec la bête pour combattre contre l'agneau et son peuple, qui veut dire donc ce combat, c'est à travers le peuple, le reste du peuple de Dieu. Alors, le dragon s'éteint sur le sable et bien de la mer, et la bête sort de la mer. Il veut dire vraiment, il y a une sorte de parenté. Alors, la bête qui sort de la mer est l'une des sept têtes du dragon. Pour l'identifier, le texte nous donne, eh bien, donc ses prédécesseurs. Jean nous donne des prédécesseurs vraiment de cette bête. Alors, citer le verset 2, la bête, il y a léopard, il y a l'ours, il y a le lion, et le dragon donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Ce qui veut dire vraiment ce que Jean veut nous présenter, le léopard, l'ours et le lion, etc., font partie de l'univers du livre de du prophète Daniel, eh bien, qui utilise cela justement pour pouvoir aller vraiment des royaumes puissants de la terre. Alors, Jean les mentionne, pas d'une façon chronologique. Regardez, Jean a présenté le lion à la fin, mais plutôt léopard, et pourtant c'est le lion qui est mentionné eh bien, dans le chapitre 7 du livre de Daniel avant. Écoutez bien, le côté chronologique n'est pas... qui veut dire pour Jean... Ça ne coûte pas. Alors plutôt, vraiment, c'est mentionner eh bien, ses prédécesseurs, ses royaumes qui précédaient Rome. Alors, Jean a mentionné, qui veut dire qu'il est le quatrième animal du livre de Daniel qui a 10 cornes. Il y a Richard Lehmann. Peut-être vraiment, il y a en tant qu'adventiste, vous connaissez Richard Lehmann qui vit encore. Alors, dans son livre, l'Apocalypse des Jean, page 341, eh bien, déclare, le quatrième animal aux dents de fer, terrible, épouvantable et extraordinairement fort, ne pouvait être que Rome. Alors, il déclare à la page 342, la quasi-unanimité pense que le monstre marin, qui veut dire la bête qui monte de la mer, représente la Rome antique. Et très souvent dans notre lecture, on saute toujours eh bien, à cette bête-là pour dire vraiment c'est la papauté. Donc, parce que nous sommes trop pressés, eh bien, donc nous ne suivons pas la cadence du texte. Et à ce moment-là, on a apporté vraiment certains éléments
eh bien, qui ne sont pas appropriés eh bien, au texte en tant que tel. Alors, au verset 7, verset, non, non, au chapitre 7, verset 7 à 25, eh bien, donc, vous connaissez très bien, vous pouvez relire vraiment les textes. Le quatrième animal terrible, eh bien, a connu une nouvelle période avant sa chute en l'an 467 de notre ère. Par exemple, l'Empire romain est transformé en Empire chrétien. Alors, qui veut dire vraiment donc, au IVe siècle, à travers le terme blasphème, Jean décrit l'action des empereurs, etc. Vous connaissez vraiment donc, avant. Il y a Alfred Guyen qui présente, qui veut dire, donc, c'est un protestant. Quand il dit vraiment en l'an 86, Domitien se fit nommé officiellement le Seigneur Dieu, etc. Toute la description blasphème que Jean nous a présentée, ce n'est pas gratuit, parce que normalement, donc, et nous avons trouvé ça à travers les empereurs eh bien, romains. Et plus tard, que nous allons trouver ça dans cette église apostolique, parfois où nous avons peur de dire ça, qui a dévié, qui a abandonné vraiment cette route et qui devient vraiment, donc, qui veut dire, donc, qui est unie avec l'Empire romain. Alors, en 313, vraiment, c'est l'union de l'État, de l'Église, tout ça, etc. Et durant cette période, il faut dire que eh bien, donc, l'Église chrétienne est entrée en compromis avec l'État romain. Alors, j'aimerais quand même faire cette citation-là, même si nous n'avons pas beaucoup de temps, nous allons essayer vraiment de montrer, mais c'est pendant Marcel Nicole, c'est un pasteur protestant, un théologien et ensuite un historien de l'Église aussi, et qui a dit, c'est à partir de 313 que l'union de l'Église se consomme, eh bien l'union de l'Église avec l'État fut un bien pour la société, l'immoralité dominia, mais l'Église se modernisa au désespoir des âmes pieuses. Et depuis cette union, sous le règne de Constantin jusqu'à la déposition de l'empereur Romulus Augustule en l'an 473, l'Église unie avec l'État n'a jamais eu de pouvoir. Qui veut dire vraiment, donc, à partir de cette époque-là, eh bien, l'Église n'avait pas de pouvoir en tant que telle, cette Église unie avec l'État. Alors, en s'adressant aux évêques, je trouvais, et c'est Sancho, un autre, un catholique, théologien, historien, qui dit, et donc en s'adressant aux évêques, l'empereur Constantin dit, vous, c'est de l'intérieur de l'Église, mais moi, c'est de l'extérieur que j'ai été placé évêque par Dieu. Alors ici, qui veut dire vraiment, donc les évêques, les pasteurs, eh bien dans cette Église unie avec l'État, n'avaient aucun pouvoir. Et tous les empereurs, jusqu'à 476, l'Église n'avait pas de pouvoir aussi. Alors ici, Sacho continue avec cette réflexion qui dit « La chute de l'Empire romain d'Occident en 476 mettra fin en Occident à cette relation entre le pouvoir ecclésiastique et celui de l'empereur, mais non à sa théorie. » Ça, c'est très important. Elle entraînera un renforcement du pouvoir des évêques et plus particulièrement du premier d'entre eux, l'évêque de Rome, le pape, ratifié du titre de Pontifex Maximus, qui veut dire que c'était les empereurs, Constantin d'abord, eh bien, qui avait ce titre. Maintenant, l'Église, l'Empire n'est plus là, l'Empire Occident n'est plus là, maintenant c'est l'Église eh bien, qui a pris vraiment cette position-là. C'est à partir de ça qu'il faut compter. Alors, qui veut dire vraiment, donc, c'est Hans Larondelle, qui veut dire « Mationnel et d'icône ». Aussi, il faut dire que Jean veut montrer vraiment un autre aspect de l'Église. C'est pour ça que Hans Larondelle dit, eh bien, le fait que les d'icône correspondent à du roi, d'après Apocalypse 17, verset 12, laisse entendre que le règne de la bête s'étend au-delà de l'effondrement de l'Empire romain, soit au-delà des 416. C'est à ce moment-là que nous allons trouver vraiment cette Église eh bien, qui a reçu cette blessure mortelle, qui veut dire Daniel. Alors, Apocalypse, Jean a qualifié de cette Église qui est tombée dans l'apostasie des bêtes. Alors, il y a le mot « therion »
qui signifie bête sauvage, qui veut dire dans tous les aspects, parce que c'est une bête, c'est une église qui va prôner l'adoration du dragon. Alors, donc si on va plus loin, et effectivement, c'est cette église établie après la chute de l'Empire romain. Et c'est là vraiment que cette église qui est devenue la septième tête eh bien, du dragon, eh bien, parmi vraiment les sept têtes de l'animal. Alors ici, dans les trois premiers, donc nous allons essayer vraiment de condenser vraiment de ce qu'on dit pour permettre aux gens, au public vraiment de bien saisir. Dans les trois premiers versets du chapitre 13, le texte de l'Apocalypse décrit l'Empire romain dans ses différentes phases. Dans les trois premiers versets, c'est un condensé, c'est très dense, mais on trouve vraiment dans l'Empire romain dans ses différentes phases. Et il est parmi les sept têtes du dragon dans ses différentes phases. Ce qu'on peut dire, par exemple, nous trouvons l'union avec l'Église, l'union de l'État avec l'Église au 4e siècle de notre ère et la suprématie de cette Église chrétienne durant le règne des 10 cordes. En d'autres mots, on connaît vraiment un pile haïtien qui remet créolio très bien. Alors, tu me dis vraiment, les trois premiers versets que l'on lit, le chapitre 13, ça que je voulais parler, que Jean voulait exprimer, que l'Empire romain, qui veut dire la bête, et bien à cette tête, 10 cordes, etc., c'est l'Empire romain, et il nous démontrait à travers les 10 cordes les différentes phases, différentes phases, aspects que bête là gagnait. Bête ça lui fait partie vraiment de, eh bien, des sept têtes, eh bien, du dragon. OK? Alors, donc, le texte de l'Apocalypse nous aide beaucoup au verset, chapitre 17, verset 11, quand tu dis la bête qui était et qui n'est plus, elle-même est huitième roi et elle est du nombre des sept. Huitième roi, tout ça, etc. C'est qui veut dire vraiment cette bête qui a perdu le pouvoir, eh bien, va retrouver au temps de la fin avant que Christ revienne. Alors, donc, il y aura un débat, une crise. Et d'après le prophète Daniel, l'Église chrétienne unie avec l'État surgit au milieu des icônes. Nous trouvons ça. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé et dans ce chapitre? Qui veut dire cette bête et l'Empire romain qui a connu plusieurs phases et l'union de l'Église, de l'État avec l'Église, et ensuite qui est prolongée dans le temps, eh bien, avec les 10 cordes, que cette Église ramassée, il prend tout pouvoir politique, il allie avec pouvoir religieux, qui veut dire ça a donné vraiment une Église puissante au Moyen-Âge. Mais quel est le thème principal de l'Apocalypse 13? C'est qu'on, dans notre lecture, on arrive à découvrir le thème principal de l'Apocalypse 13, c'est l'adoration du dragon. C'est le thème dominant. Le chapitre 13 parle, décrit l'adoration du dragon. C'est l'adoration du dragon. L'adoration du dragon, eh bien, est imposée aux habitants de la terre. Mais cependant, Jean a utilisé un mot pour les habitants de la terre pour que chrétiens solides, étudiants de la Bible, monde qui a étudié la Bible, ceux qui étudient la parole de Dieu, ne doivent pas être effrayés par ça. Parce que les habitants de la terre, regarde bien, au verset 4 et au verset 8, Jean dit, ils adorèrent le dragon. D'abord, il a parlé vraiment de la terre entière à l'admiration, être en admiration devant la bête. Alors, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Regarde bien, c'est les dragons qui donnent ce pouvoir. Quelle autorité? C'est au niveau de l'adoration. Et ils adoraient la bête. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde. Regarde bien, ces habitants de la terre, eh bien, donc, ne font pas partie vraiment du peuple de Dieu. Alors ici, vraiment, nous allons voir
Maintenant, Jean a utilisé des participes présents des verbes grecs. Alors, c'est participe présent dans la langue grecque qui veut dire vraiment c'est l'action qui continue, qui veut dire vraiment une sorte de permanence. Alors, c'est le verbe katoikeo, ça c'est le verbe, le participe présent. Bon, on va essayer de prononcer lui parce que normalement, c'est ça. Alors, pour désigner tous ceux qui sont en rébellion contre Dieu dans l'Apocalypse, eh bien, donc les habitants de la terre, et qui vient vraiment des katoikeo, qui veut dire ce sont des gens qui sont hostiles à Dieu. Et l'Apocalypse, chapitre 13, est dominé par les habitants de la terre. Cette adoration, ce sont eux qui embrassent l'adoration et bien de la bête, leur demeure définitive. Pourquoi? Parce que dans l'ordre, ce verbe signifie, eh bien, c'est une demeure définitive. Je n'aurai pas le temps vraiment de développer ça. C'est pourquoi que Dieu, même arrivé à Canaan, Dieu demande, eh bien, au peuple d'Israël d'utiliser, eh bien, donc les tabernacles, les tentes, pour que le peuple d'Israël ne pas penser qu'il a demeuré définitivement sur la terre. Alors ici, vraiment, c'est ce verbe-là qui est utilisé. Dans l'Apocalypse, chers amis, les habitants de la terre ne sont pas les restes qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Amen, alléluia. Parce que dans l'ordre, donc les habitants de la terre, ce ne sont pas des élus, ce ne sont pas des rachetés, ce sont des gens qui ont choisi volontairement, eh bien, pour adorer la bête. Alors, en grec, le verbe katoikeo signifie habiter dans un lieu, s'établir dans un lieu, fixer définitivement dans un lieu. Et d'après l'Apocalypse, les habitants de la terre rejettent Dieu parce qu'ils prennent la terre comme leur demeure définitive. Alors, ce sont eux qui sont adorateurs du dragon dans le chapitre 13. L'adoration du dragon, chers amis, est contraire à la loi de Dieu. C'est ça qui va provoquer la crise finale. Alors, la bête qui monte de la mer, eh bien, a des noms de blasphème, eh bien, sur ses sept têtes. La bête est blasphémée, etc. Vous connaissez. Alors, dans les livres de l'Apocalypse, c'est les verbes grecs pour parler vraiment les sauvés. Pour parler vraiment des sauvés, des rachetés, qui ne font pas partie des habitants de la terre, mais plutôt qui sont considérés dans le texte comme des habitants du ciel. Ici, Jean a utilisé un autre verbe grec, eskeno. Alors, eskeno, qui veut dresser une tente, qui veut dire qu'on peut bouger, eh bien, utilisé pour désigner ceux qui suivent Jésus sur la terre. Et le verbe signifie habiter sous une tente. Ériger un tabernacle, c'est ce même mot qu'on a trouvé dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 14, que Jésus-Christ eh bien, est venu dans l'incarnation. L'incarnation, c'est dresser une tente parmi nous. Ici, vraiment, c'est la réalisation eh bien, de cette tente qui a été construite, vraiment dans le désert. Alors, chers amis, les sauvés dans l'Apocalypse, la bonne nouvelle, et pour les sauvés, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, automatiquement qu'on est en Jésus, on obéit à ses commandements, à sa parole, on est sauvé. Les sauvés sont ceux qui habitent déjà dans les ciel. C'est le verbe eskeneo, qui est dans ces passages. Apocalypse 12, verset 12, lorsqu'il dit « Réjouissez-vous, et bien ceux qui habitent dans les cieux. » Et ensuite, Apocalypse 13 aussi, et bien nous avons vu vraiment ce mot, et les habitants du ciel, ce sont des croyants qui marchent encore sur la terre, mais ils sont considérés comme des habitants du ciel. Alors, maintenant, la bête qui monte de la terre, nous avons identifié synthèse, qui veut dire vraiment dans la bête qui monte de la mer, nous trouvons l'Empire romain dans son aspect politique qui persécutait l'Église. Et ensuite, au 4e siècle, cet Empire romain qui est uni avec l'Église. Et ensuite, et après 476, cette église eh bien, a pris d'autres aspects, etc. OK. Alors, donc, chers amis, cette bête qui monte de la terre, rapidement, eh bien, dans l'Apocalypse, la terre, d'après notre lecture de ce livre, la terre, eh bien, c'est un lieu de combat entre Christ et le dragon. C'est la terre. Et c'est vraiment le lieu de ce combat. Dans la Bible, l'expression aussi « monter de la terre »
eh bien, fait référence à des mauvais esprits. Nous avons les textes vraiment dans 2 Samuel 28, verset 13 aussi. Eh bien, le texte qui monte de la terre, etc. Alors, cette bête qui monte de la terre est au service de l'adoration idolâtre du dragon. C'est une bête qui est au service. Il vient dire le deuxième commandement, eh bien, nous met en garde pour ne pas adorer tout ce qui vient en bas sur la terre, tout ce qui est le produit en dessous des eaux. Nous ne devons pas les adorer parce que normalement, c'est Dieu seul qu'il faut adorer. Alors, donc, qui veut dire vraiment, donc nous ne devons pas adorer. Dans l'Apocalypse, la terre, c'est un lieu de combat, comme nous avons souligné. Et les versets 11 et 12 mettent l'accent, chapitre 13, versets 11 et 12, mettent l'accent sur le caractère plutôt religieux de la bête. Parce que c'est une bête une influence universelle, qui a une influence universelle. Et ensuite, cette bête-là, il y a une contrefaçon. Nous pouvons regarder parce que l'image agneau, eh bien, cette image est dominante dans l'Apocalypse pour désigner vraiment tant que Jésus. Eh bien, ces deux cornes sont semblables à celles d'un agneau. Alors, il y a une contrefaçon ici dans notre lecture qu'on découvre. La bête de la terre aussi, dont les cornes sont semblables à celles de l'agneau, eh bien, parle comme le dragon, qui veut dire les cornes, la force, et se trouve comme Jésus-Christ, et puis ensuite le langage, et bien c'est comme le dragon. Ici, c'est très important le mot semblable, homomios, qui signifie pareil à, qui veut dire vraiment il y a une ressemblance. La bête, et bien ressemble à Christ, à l'agneau, c'est comme dit l'agneau. C'est une bête qui imite plutôt la puissance de Jésus. Dans tous les textes, et bien vous allez voir, eh bien, donc, cette bête-là joue le rôle de cet esprit. Alors, c'est là vraiment qu'on a les théologiens, les exégètes finissent par comprendre. Il y a ce qu'on appelle eh bien, donc, la trinité démoniaque. La trinité démoniaque. Dragon, c'est le patron, la bête qui monte de la mer, et ensuite la bête qui monte, eh bien, donc, la bête qui monte de la terre, que nous avons trouvé vraiment les faux prophètes plus loin. Alors, c'est la bête qui monte de la terre est un pouvoir religieux. Et bien, d'après la lecture du texte de l'Apocalypse 13, la bête qui monte de la terre et bien, adhère à l'adoration de la bête marine. Et cette bête, chers amis, caractérise tous les mouvements religieux dans le monde qui rejettent l'obéissance aux 10 commandements et bien, de Dieu, du Dieu de la Bible, et promeuvent eh bien, dans le monde, l'adoration du dragon. Ce qui veut dire la deuxième bête représente tous les mouvements religieux. Parce que normalement, les caractéristiques que nous avons trouvées eh bien, nous permettent dans cette lecture de trouver vraiment ce sont tous les mouvements religieux. Parce que normalement, c'est une bête universelle aussi, à travers la terre, exercer le pouvoir, tout ça, etc. Maintenant, donc, dans son livre, Ellen G. White, dans Tragédie des siècles, et page 477 et 479, et voit plutôt dans cette bête, dans la bête à deux cornes, un mouvement général d'apostasie qui unira les églises chrétiennes et prétendant adorer les vrais dieux. Qui veut dire, je trouve vraiment, eh bien, donc ce commentaire d'Ellen White, cette réflexion d'Ellen White, ça tombe bien au texte en tant que tel, cette lecture et qui nous permet de voir eh bien, la deuxième bête, eh bien, c'est un mouvement généralisé, vraiment des églises chrétiennes, et tout ça vraiment est à l'intérieur. Mais plus loin, on peut quand même voir le mouvement mondial eh bien, des églises chrétiennes, des États-Unis, qui veut dire les États-Unis vont jouer un rôle extrêmement important eh bien, dans ce grand mouvement. Alors, c'est ce que Jacques Doucan a dit. Eh bien, les États-Unis d'Amérique se font entendre sur la scène internationale comme un dragon au visage d'agneau. Alors, eh bien, la naïveté idéaliste américaine se mêle à sa puissance politique, militaire et économique. Et souvent, les propos réjouissants du dragon américain étonnent sur sa face d'agneau. Ça, c'est bien dire. Alors, ici, l'imposition de l'adoration et de la bête marquera la crise finale de l'histoire. C'est l'adoration eh bien, donc, qui va marquer vraiment la fin de l'histoire.
et à travers l'image de la bête qui monte de la mer, ayant sept têtes, dix cornes et dix diadèmes, l'apôtre Jean révèle l'adoration du dragon dans le monde non régénéré. Il veut dire vraiment cette adoration est partout. Cette adoration est dans le vaudou, cette adoration est dans l'hindouisme, cette adoration dans le satanisme. Vous allez trouver dans cette culture, vous avez trouvé la présence de cette adoration. Et cette adoration-là se manifeste aussi dans les églises chrétiennes. Et c'est pour ça, vraiment, quand on fixe vraiment tel domaine religieux, etc., c'est Babylone. Et Babylone, c'est une question de mentalité qui veut dire je peux être adventiste, j'ai la pensée de Babylone. Alors, qui veut dire vraiment, donc, la Babylonie vraiment m'habite. Alors, il faut être sérieux quand on étudie vraiment le texte, la parole de Dieu en tant qu'idéal, qui rejette les commandements de Dieu. Regardez, dans le monde politique, nous trouvons vraiment cette adoration, et dans les mouvements religieux qui rejettent les commandements de Dieu. Alors ici, dans le chapitre 13, l'adoration du dragon est mise en relief. Le thème principal de ce chapitre, c'est l'adoration du dragon. Et ensuite, d'après les versets 15 à 17 de l'Apocalypse 13, demain après-midi, nous allons décortiquer vraiment ce texte. Eh bien, la crise finale sur l'adoration aura lieu quand la deuxième bête utilisera un pouvoir coercitif pour faire animer l'image de la bête et poser une marque sur la main droite ou le front, et le nom 666. Alors, je vais laisser la place à mon collègue, Dr. Elie, et justement pour dire quelque chose là-dessus demain. Donc, on aura le temps de poser plus de temps, de poser vraiment des questions. Mais cependant, c'est la première lecture, c'est dégager vraiment la bête, eh bien, qui est l'Empire romain dans sa première phase. Et ensuite, nous avons trouvé vraiment cet empire qui est uni avec l'Église. Et plus tard, les dix cornes, durant les règnes des dix cornes, eh bien, nous trouvons vraiment une Église puissante alliée avec la politique. C'est l'Église du Moyen-Âge. Alors, c'est vraiment, je vais laisser la place à mon collègue. Merci, Pasteur Vaillant, pour cet exposé. Nous avons excédé longuement le temps, donc je reste pour parler la prochaine fois. Hein. Je parlerai demain pour ne pas empiéter sur le programme, Pasteur Joss. Nous sommes sûrs qu'il y a beaucoup de questions. Nous allons procéder de la même façon. Nous prendrons les dernières minutes pour les questions. Mais ne vous épouvantez pas, demain après-midi, nous aurons encore un peu plus de temps pour satisfaire le public. Entre-temps, nous avons Sœur Margaret Morissette qui fera le pont entre le public et les conférenciers. Vous pouvez laisser vos questions sur le chat, même si c'est sur YouTube ou bien sur Facebook, vous posez vos questions. Tout est déjà planifié pour que les questions lui parviennent, et ça va être son tour de communiquer les questions aux conférenciers. Mais juste avant de céder la parole à Sœur Morissette, nous allons avoir le plaisir de savourer un morceau spécial qui sera présenté par une de nos jeunes du Québec, et Samsara Abouat. Il nous présentera un morceau spécial pour faire l'introduction aux questions-réponses. Ooh,
cité céleste où tout est parfait. La porte, j'ai crié très saint. Les anges sont venus à ma rencontre. Ils m'ont conduit de château. Je leur dis, je voudrais voir Jésus, celui qui s'est sacrifié pour moi. Tomber sur mes genoux, j'ai crié. Yeah.
Amen. Gloire à Dieu. Vu le temps qui nous est assigné, nous allons laisser simplement 5 minutes aux questions. Est-ce que vous m'entendez tous? Nous entendons maintenant. OK. Alors, il y a une question. L'intervenant a parlé de l'Église au Moyen Âge. De quelle Église s'agit-il aujourd'hui selon Apocalypse 13 et le verset 14? Apocalypse 13, verset 14. Alors, il faut suivre. OK, je vais répondre. Et puis ensuite, nous sommes là donc avec le docteur Élie. Oui. Et normalement, donc, nous devons suivre le parcours du texte. Et dans l'Apocalypse, c'est l'Église primitive qui a dévié. Donc, d'après Thessaloniciens chapitre 2, et qui dit vraiment il faut que l'apostasie soit arrivée. Donc, vraiment, dans l'Église, il ne faut pas avoir peur. Bon, cette Église est établie au Moyen Âge, maintenant a établi un système de gouvernance qui s'appelle vraiment la papauté. Ce système de gouvernance de cette Église. Et maintenant, après ça, on a donné vraiment le nom parce que l'universalité du christianisme, même avant que l'Église deviennent tombés dans l'apostasie. Eh bien, donc, le mot catholique en tant que tel, si vous voulez bien. Et au Moyen Âge, qui veut dire plus tard, au XVIe siècle, il y a quand même une sorte de révolution ou bien de rupture avec cette Église-là. La réforme, c'est ce qu'on appelle la réforme protestante, contester tout ça, etc. Mais ça demeure quand même l'Église primitive. Qui a fait ce choix-là, qui est tombé dans l'apostasie, et de tous les temps aussi, toujours on reste, depuis l'Ancien Testament, nous étudions ça vraiment dans Ésaïe, c'est toujours, et vraiment il y a un reste d'Israël, il y a la majorité qui tombe dans l'apostasie, mais le reste, Ésaïe a développé la théologie du reste, et l'Apocalypse aussi parle vraiment de ce reste, même au sein de l'Église primitive, et jusqu'à présent aussi. Et même dans ce qu'on appelle vraiment l'Église apostolique catholique, etc., il y a toujours un reste. Partout, il y a toujours un reste. Alors, cette Église qui est primitive, eh bien, au fil des temps, qui a subi vraiment beaucoup de modifications, eh bien, qui est devenue au Moyen Âge, l'Église du Moyen Âge, l'Église chrétienne du Moyen Âge, et ensuite, pour donner naissance donc au catholicisme, au système papal. Et bien, ensuite, ça demeure vraiment l'Église chrétienne. Ce n'est pas la païenne. L'Église chrétienne mélangée avec vraiment par des traditions et ensuite avec les mouvements protestants aussi. Alors, je ne sais pas si Dr. Élie peut ajouter quelque chose. Non, je pense que. Et le texte auquel on fait référence, c'est la séduction des habitants de la terre. Tu as fait référence à la séduction des habitants de la terre. Et c'est à ce texte-là qu'ils font référence là maintenant. OK. Oui. Alors, dans les textes, les habitants de la terre, j'ai bien décortiqué vraiment les textes en tant que tels. Et donc, les habitants de la terre, ce sont ceux qui sont en rébellion contre la parole de Dieu. Alors, qui me dit vraiment, donc, n'oubliez pas, dans chapitre 12, eh bien, cette Église dont il s'agit, vraiment, c'est l'Église apostate, qui est tombée dans l'apostasie. Mm-hmm. Et ensuite, n'oubliez pas aussi, dans les livres de l'Apocalypse aussi, les 7 Églises d'Asie aussi étaient exposées à l'idolâtrie. Qui veut dire, le premier message est adressé à ces Églises-là. Et si vous regardez vraiment, donc, dans tout, etc., l'Église en tant que telle chrétienne était menacée d'apostasie. Et comme aujourd'hui, et ça nous guette. C'est pas... Bon, je ne veux pas donner vraiment donc, une sorte de nom,
Ça, c'est l'Église chrétienne qui est tombée dans l'apostasie en tant que telle. Ok, il y a une autre question identique à celle qui a été posée avant, mais c'est une autre personne. Je ne sais pas si la réponse que vous avez donnée est en satisfaisant à la personne, mais je vais quand même poser la question. Ok, l'intervenant a parlé de l'Église du Moyen-Âge, sans mentionner laquelle relative à notre époque, selon Apocalypse 13, verset 14. Prière d'identifier cette Église contemporaine chevauchant la religion et la politique. Peut-être que je n'ai pas saisi vraiment la question, ce qui veut dire vraiment, donc, alors, d'après ce que la personne dit, on a mentionné l'Église du Moyen-Âge. Alors, je crois que j'ai bien expliqué. L'Église du Moyen-Âge, c'est l'Église apostolique où Paul prêchait, les autres prêchaient, etc., qui est tombée dans l'apostasie. L'Église qui est unie avec l'État, et il y a avec Constantin, c'était l'Église. C'était l'Église primitive. C'était l'Église primitive. OK? Alors, c'est cette Église, eh bien, qui est devenue, vraiment comme j'ai expliqué, qui est devenue l'Église, l'Église, pas l'Église catholique, etc., c'est un système de gouvernance. Mais ça demeure quand même l'Église primitive qui est arrivée là. Et c'est vraiment contre cette Église primitive, il y a la réforme protestante. Là aussi, même dans la réforme protestante, Dieu a suscité vraiment un autre mouvement pour retourner à la Bible complètement. C'est cette perspective-là qui veut dire qu'il y a toujours, et c'est la même chose qu'on a trouvé parmi les peuples juifs, parce qu'avec les 10 royaumes, les 10 tribus d'Israël, qui étaient tombés dans l'apostasie, il y avait des tribus qui restaient fidèles. Mais ça reste quand même le peuple de Dieu. Il n'y a pas de changement. Alors, le fait que vraiment que Dieu a suscité un reste comme témoin historique, mais cependant, ça demeure quand même, qu'on le veuille catholique, etc., on peut anti-vraiment catholique, tout ça, mais ça reste vraiment, c'est l'Église primitive qui a abouti vraiment à cela officiellement. Mais il y a toujours un reste qui demeure. Je ne sais pas si je saisis vraiment très bien la dimension de la question de cette personne. Si c'est un nom, j'ai expliqué vraiment le nom qui veut dire vraiment que c'est l'Église primitive qui a abouti à cela. Et ensuite, il y a une réforme. Il y a toujours vraiment un reste, le peuple de Dieu, que ce soit même dans l'Église adventiste, que Dieu a suscité eh bien, à la fin des temps, comme témoin. Ça ne veut pas dire vraiment tout le peuple de Dieu est dans l'Église adventiste. N'oubliez pas ça. Alors, ça ne veut pas dire vraiment que nous sommes seuls le peuple de Dieu qui va être sauvé. Mais cependant, Dieu nous donne un témoignage historique comme un peuple prophétique pour faire avancer là sa cause. La prochaine question. Est-ce que la marque de la bête est symbolique ou littérale? Demain, on va décortiquer tout ça. Ok, la prochaine. C'est demain. C'est demain. Donc, ce qu'on a à faire aujourd'hui, c'est la mise en contexte du texte pour comprendre les thèmes principaux. Par exemple, l'enjeu, et puis ensuite, il y a la bête qui monte de la terre, de la mer et de la terre. Demain, nous allons décortiquer la marque de la bête. Ok. Et avec la Bible, la révélation dans la Bible. Ok. Ok. Alors, je vais quand même poser la prochaine question. C'est la dernière. OK. Est-ce que la marque de la bête sera un jour d'adoration contraire à celui de Dieu? Demain aussi. Que la personne vienne. Demain. Okay. On ne veut pas empiéter vraiment ce que c'est. Parce que n'oubliez pas, restons dans le texte, dans la première lecture. La mise en contexte vraiment du texte et nous permet vraiment de repérer les jalons historiques qui nous guide, qui nous permet vraiment de voir eh bien, l'évolution, donc la bête qui monte de la mer, la bête qui monte de la terre. Alors, cette marque, étant donné que les thèmes principaux, c'est l'adoration, nous allons voir vraiment la signification biblique de la marque de la bête et le nombre de 666.
N'oubliez pas, au verset 18, il dit, c'est ici la persévérance des saints. C'est ici vraiment la sagesse. C'est lui qui a la sagesse et de l'intelligence. Ça, c'est vraiment, c'est plutôt en matière prophétique. Nous avons besoin de la sagesse pour que Dieu nous révèle le sens. OK. Alors, est-ce que je peux continuer avec la question? Ou... Dernière question. On va s'arrêter. La dernière question. Alors, gardez ça vraiment pour... La personne, elle va être là demain. Alors, qui veut dire, la personne va poser la question. Et donc, c'est cette question-là qu'on va... Nous allons nous centrer sur la Magdalène. OK. OK. Oui. OK, la dernière question. Oh, on va prendre une dernière question? Oui, okay. Oui. Okay, Revelation 13, verse 3 said, then all world marveled after the beast, promoting the COVID-19 by the SDA Church. COVID-19 by the SDA Church is not working for the beast. Let me try to read it again. Revelation 13, verse 3 said, then all world marveled after the beast, promoting the COVID-19 vaccine by FDA Church, is it not working for the beast? So by promoting the vaccine, are we working for the beast? Là aussi, parce que on va parler de ça demain. OK. Ouais, pourquoi tout est lié là. Je pense que je pourrais ajouter une petite chose que demain on va et certainement et avancer et faire et mieux dire et en parler davantage pour la relation qu'il y a avec l'image de la bête et le nom et les choses qui vont. Mais et ce que nous avons voulu présenter aujourd'hui, c'est que dans le contexte de Apocalypse chapitre 13, Le thème principal, c'est le thème de l'adoration, la fausse adoration, et qui un thème qui commence déjà au chapitre 12, quand on a parlé du dragon et identifié au diable. Au chapitre 13, il va être question là des alliances, des alliés au dragon, au diable. Et le texte l'a présenté dans un ensemble, la première bête qui monte de la mer et qui a été identifiée pour nous, et très clairement, quand on parle de l'époque du Moyen-Âge et autres, et je pense qu'on fait référence encore à la bête qui monte de la mer. C'est ce temps-là qui est mentionné dans la prophétie. Et qui va avant identifié par le pasteur Youth, avant il a précisé qu'il ne faut pas s'arrêter seulement à la période, à une période donnée, mais voir tout le contexte allant au-delà bien avant l'apparition du pouvoir religieux de l'Église et qui est représenté par l'Église catholique, les 42 semaines, par exemple, oui, c'est ça. Et qui sont présentées dans le texte et feront très clairement référence à l'Église catholique qui vient et qui aura cette blessure mortelle, etc. Donc, on a cet aspect-là. Et la bête qui monte de la terre et qui nous a été présentée aussi un peu plus court, et c'est plus court parce que les textes aussi sont plus courts, ouais. Mais qui ont un autre, une autre présentation, c'est que elle va représenter, donner vie en quelque sorte à la première bête. Et c'est pourquoi, quand on essaie d'identifier les auditeurs et ceux qui nous écoutent voulaient savoir à qui se réfère le texte, et ça se réfère à la vie donnée à la première entité. Mais le pasteur Youth a annoncé aussi et précisé que la seconde bête va un petit peu beaucoup plus loin. Ce n'est pas
et l'Église catholique, comme nous l'avons vu dans la première, mais ce sera tout un ensemble qui vient et pour donner, et la question a été posée pour savoir et à quel moment et quelle entité séduira les habitants de la terre, fera de grands signes et exercera de l'autorité. C'est ce que on va retrouver plus tard et dans cette même perspective que nous présenterons demain, qui fera une image, fera parler la bête et donnera la force au monde pour l'adorer. C'est dans cette perspective-là que Pasteur Youd dit demain, on terminera la présentation et on pourra répondre spécifiquement à la question et comment comprendre cet ensemble religieux et politique qui va promouvoir l'adoration du dragon. Parce que, en fait, tout le contexte de Apocalypse 13, c'est le contexte de l'adoration qui est dit en opposition à l'Église du reste qui est présentée dans l'Apocalypse chapitre 14 et là où il sera réellement question d'une autre marque. C'est pourquoi nous ne voulons pas entrer dans la marque là aujourd'hui, parce que dans le texte, il y a une très, très jolie interaction entre la marque de la bête et le nom et chapitre 14 et suivant, où il y a question de la marque, le nom de Dieu qui sera posé aussi sur le front et des sauvés. C'est pourquoi, en fait, nous avons voulu seulement nous arrêter sur l'aspect de l'adoration et demain venir pour comprendre le reste du texte qui est projeté dans l'avenir, qui est projeté dans le texte de l'Apocalypse. C'est comme une intervention que nous allons retrouver à la fin des temps. Et c'est ce qui est important pour nous de voir. Effectivement, je peux ajouter quelque chose qui est surtout la deuxième bête. C'est quand on parle vraiment des habitants de la terre, c'est à la fin des temps. À la fin des temps, c'est vraiment la crise. Mais c'est pendant de tous les temps, avec vraiment les autres, etc., Satan a toujours des habitants de la terre qu'il adore. Alors, qui veut dire vraiment que c'est demain, donc on va décortiquer, on va nous centrer sur ça. OK. Merci beaucoup. Nous sommes sûrs qu'il y a beaucoup d'autres questions, mais nous vous demandons d'être patients, puisque demain, comme nos conférenciers l'ont déjà annoncé, nous allons revenir avec un peu plus de temps. Juste avant d'amorcer la conclusion, je vais inviter Dr. Samson, qui est sur la ligne, qui voudrait juste faire une annonce dans une deux minutes. Et après, nous pourrons amorcer la fin. OK. Merci beaucoup, docteur Joseph. Et avant de faire l'annonce, permettez-moi de remercier de tout cœur docteur Eli Henry et docteur Vaillant Youth. À souhait bien manger, me sentir satisfait, ventre moins plein. Mais comme c'est net qui gourmand, me sentir à manger toujours. Avec tout à souhait, à prendre bon bête. Merci en pile. Nomme moi satisfait et l'esprit me remplit. Merci. Merci de ta présence. Annonce-moi en très simple. Demain, si Dieu veut, nous parler avec plus de détails de cela. C'est qu'au cours de l'université que vous représentez, il y a un programme pour aider les jeunes pour étudier sans beaucoup de frais, peut-être même gratuitement. On dit peut-être. Ça va dépendre de situation et de si vous suivez
ça au jour là. Demain, si Dieu veut, nous avons plus de détails sur ça. Donc, nous avons une date là. Depuis qu'on y a, c'est le 26 avril à 7h du soir, heure de l'Est, 6h, heure centrale, que nous prenons une réunion spéciale. Nous avons toute affiche là par le moyen des pasteurs des églises. Et puis, nous avons une date et puis dans qui gens pour nous entrer dans Zoom. Là. Nous remercions nous à l'avance pour présence nous. Si nous consacrons bon pour petit nous, nous ne voulons pas dépenser en pile l'argent, pas oublier, entrer dans le programme ça, nous ne pas regretter ça. Et bon Dieu a béni nous, l'a béni petit nous, et il a préparé nous pour le séjour des cieux. Encore une fois, merci Docteur Joseph, et bon sabbat à tous ceux qui nous écoutent. Et merci beaucoup Docteur Sanson. Nous vous attendons demain si Dieu veut. Nous allons retourner le micro à notre maître de cérémonie qui est Docteur Neftali, qui c'est lui qui va annoncer la fin du programme. C'est mon patron. On peut t'entendre. Bien sincèrement, chers amis, pour le temps que vous avez pris pour participer à ce programme, pour avoir participé à l'étude de ce soir. Je reste convaincu que vous avez appris quelque chose, ou tout au moins vous avez obtenu certains éclaircissements sur certains aspects du livre de l'Apocalypse, surtout du chapitre 13 que nous avons considéré ce soir, nous avons effleuré, je dirais, ce soir. Donc, nous vous encourageons à être avec nous demain après-midi. Non, on ne t'entend plus. On ne t'entend plus. OK, peut-être qu'il y a un problème technique qui se présente. Ouais. OK. Est-ce qu'il peut reprendre? Non. S'il ne peut pas reprendre. Donc, c'est la fin du service et nous aurons la prière, la dernière prière sera présentée par le pasteur Guy Sajust, qui est de la conférence Northern New England. Donc, c'est lui qui prononcera la bénédiction pour ce soir. Merci beaucoup. Nous vous demandons de vous disposer pour la prière. Éternel, notre Dieu et notre Père, tu es infiniment grand, infiniment puissant. L'immensité de ta bonté et de ton amour s'élève jusqu'aux cieux. Chaque jour, tu nous donnes d'expérimenter les paroles de Lamentations, chapitre 3, le verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Les temps et les circonstances ne te changent pas. Au milieu de la disette, tu es bon. Quand vient l'abondance, tu es encore bon. En temps de guerre, tu es bon. Quand l'ordre et la paix sont rétablis, tu es toujours bon. Les désastres naturels, cyclones, tremblements de terre et pandémies ne peuvent en rien nous faire penser autrement. Aujourd'hui, tandis que lentement, mais sûrement, nous nous acheminons vers les événements eschatologiques et que l'avenir nous présente un tableau grimaçant, tu continues à rassurer tes enfants de différentes manières. En ce soir, nous rendons gloire à ton nom, puisqu'à travers cette première présentation sur la marque de la bête, tu nous as fermé avec la bienheureuse promesse d'être toujours avec nous. Qu'il te plaise, ô Dieu, de bénir tes serviteurs, pasteur Youth Vaillant et pasteur Élie Henry.
de bénir ton Église établie en Amérique du Nord et tous ceux qui attendent ton retour prochain. Veuille bénir également les différents représentants du caucus franco-haïtien et particulièrement pasteur Joseph et ses collaborateurs immédiats. En Jésus, nous t'en prions avec le pardon de nos péchés. Amen. 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 Merci beaucoup, pasteur Sajus. Nous attendons demain après-midi à 4 heures précises. Et si vous pouvez être là même avant 4 heures, 4 heures moins 5, pour avoir des informations, comment et entrer sur les différentes plateformes, ce sera encore mieux. Nous vous souhaitons une bonne nuit. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Les membres du panel resteront un petit moment. Merci.